Monsieur Simon-Leclerc, vous êtes vice-président du conseil départemental des Vosges. C'est à ce titre-là, on est dans le département des Vosges, que vous venez faire cette deuxième partie de conclusion. Peut-être redire, enfin même si vous le savez à travers la lecture du programme, mais hier on s'est vraiment enraciné dans le passé, et notamment jusqu'à la Première Guerre mondiale, parfois au-delà même. Et pour ce matin, être vraiment sur comment est-ce qu'on agit pour les aller aujourd'hui. Et puis vous avez vu depuis tout à l'heure ce tableau se remplir, qui fourmille d'idées qui sont pour une bonne part déjà mises en œuvre, déjà commencées, et pour une part à continuer à construire. Et finalement, la question qui vous est posée, c'est quand on est vice-président d'un conseil départemental, qu'est-ce qu'on peut aussi, dans quel sens on peut agir, qu'est-ce qu'on peut soutenir, qu'est-ce qu'on peut aider pour protéger les arbres et les hommes? Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation et puis excuser notre président François Manson qui n'a pas pu être présent ce matin, retenu par d'autres obligations. Je voudrais remercier monsieur Eric Mützler, pour le président d'Aller et Avenue, pour l'organisation de ce colloque, et puis adresser mes remerciements aussi à Chantal Pradine, si je puis dire, la régionale de l'étape, qui est également une passionnée et qui a permis bien l'installation de ce colloque dans l'ouest vosgien, qui est un territoire qui regorge de beauté historique, hein, tant au niveau de son patrimoine, puisque enfin, peut-être qu'on vous a fait une présentation du territoire, mais nous avons ici la maison natale de Jeanne d'Arc, un amphithéâtre gallo-romain à Grand, qui est né donc sous Constantin, donc qui est très ancien, qui est le 7e amphithéâtre du monde romain, de par sa taille, une très belle mosaïque gallo-romaine. Et puis un petit peu plus loin, vous avez la ville de Neufchâteau, qui est classée secteur sauvegardé. Donc c'est voilà, vous êtes aussi dans un territoire qui est bercé par son histoire, frontière du duché de Lorraine, de l'ancien duché de Lorraine. Et parmi ce patrimoine important, il y a bien sûr les forêts et puis les alignements d'arbres qui ont pu être posés sur plusieurs routes, autour de plusieurs routes sur notre territoire. Pour rebondir un peu sur votre interpellation, sur vos questionnements, c'est un enjeu pour un département, puisque vous le savez, il a la compétence voirie. Hein, donc l'essentiel des voiries sont aujourd'hui des routes départementales, puisque tout cela nous a été transféré il y a maintenant quelques années avec les vagues diverses de décentralisation. Alors je vais vous donner un exemple sur le département des Vosges. Nous avons de recenser 156 alignements d'arbres et plus de 3700 arbres donc, qui composent ces alignements d'arbres. Alors on a décidé il y a quelques temps de cela, il y a un peu plus d'un an et demi, hein, je crois que c'était en février 2017, mais enfin la date n'est peut-être pas forcément très précise, mais enfin, en tout cas en 2017, eh bien, de travailler sur un plan de gestion de ces alignements d'arbres, hein, dans l'objectif effectivement de bien les connaître, hein, de recenser effectivement et de travailler sur l'état sanitaire, quel est l'état sanitaire des alignements d'arbres, hein, et ensuite effectivement dans une optique de préservation de ces alignements d'arbres quand c'est possible, parce qu'il y a des tas de considérations, les arbres qui bordent la route, ça peut aussi poser des problèmes de sécurité routière, donc il faut trouver effectivement le bon équilibre pour permettre bien une bonne harmonie de tout cela. Donc effectivement c'est un engagement assez fort du département des Vosges pour eh bien, maintenir ces alignements d'arbres qui composent eh bien, nos territoires, qui viennent eh bien, égayer nos territoires et en faire leur beauté. Donc c'est un enjeu très très important pour un territoire comme le nôtre. Plus précisément, pour revenir sur vos travaux, moi, je crois que c'est important de pouvoir se rencontrer autour de problématiques et de partager des expériences. C'est tout l'objet d'un colloque. J'ai vu la restitution de vos travaux, notamment le tableau qui en découle. Je dirais que dans plusieurs têtes, on a toujours plus d'idées que dans une. Et donc, pouvoir se retrouver autour de ces problématiques et échanger et puis faire avancer eh bien, ses passions, c'est important. Et donc, vraiment, félicitations pour l'ensemble des travaux que vous avez menés eh bien, au cours de ces deux jours. En tout cas, j'espère que vous avez été bien accueillis sur le territoire. C'est très rare que sur notre territoire, nous accueillions des colloques internationaux. Il y a 11 nationalités, je crois, qui se sont déplacées. Parfois,
venant de l'autre bout du monde, néo-zélandais, australiens, canadiens, africains également, j'ai pu voir. Donc, ce fut un réel plaisir eh bien, de vous accueillir. Et sachez-le, si vous souhaitez à nouveau eh bien, venir sur notre territoire, on vous accueillera avec le plus grand plaisir. Donc voilà, un grand bravo pour cette belle initiative qui nous réjouit, nous les élus du territoire. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences ensemble et avec nous. Effectivement, il y a un effort important de sensibilisation des élus à faire. Et je le disais tout à l'heure, le problème d'un élu, c'est qu'il a des tas de paramètres à tenir compte lorsqu'il prend une décision. Il y a le paramètre environnemental, il y a le paramètre sécuritaire, etc. Et il faut qu'on arrive toujours ensemble eh bien, à trouver la bonne solution face à un problème qui se pose. Il est là tout l'enjeu. Il est là tout l'enjeu. Je crois que sensibiliser, c'est important. Merci, je vous souhaite un bon retour, parce que je crois que ce colloque va pas tarder à se conclure. Merci beaucoup, Simon Leclerc.